bon Dieu m'a fait ce cadeau, c'est mitoyen. Tu te rends compte? Les livres coûtent donc 21,90€, 10 centimes de moins que ceux de Benoît XVI. C'est déjà ça. En même temps, je ne suis pas encore papesse. Voilà, normal. Madame Barjot, comment osez-vous défendre le pape qui n'est pas favorable au préservatif? Alors je vous remercie parce que c'est vrai que je n'ai jamais entendu cette question. C'est vrai qu'elle est, pour moi, elle est d'une banalité, elle est d'une nouveauté absolue. Alors, comment? Surtout dans le Marais, mais c'est vrai. Alors je rappelle que le pape, moi j'en ai connu deux personnellement, enfin personnellement, pas bibliquement. Il n'en a jamais parlé. On peut pas dire qu'il était contre, mais il ne l'a même pas cité. Et on peut dire, bah justement, il ne l'a pas cité. Eh bien, le second, contre toute attente, en 2009, dans un avion allant au Cameroun, il a prononcé le mot préservatif. C'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Église, et enfin des papes. Je rappelle juste qu'un pape, c'est le gars qui est tout en haut, collé au plafond, là-haut. Il n'est pas collé en bas au plancher des vaches. Il n'est pas là pour prendre le pouvoir. Il ne sera pas président de la République, il ne sera pas roi, il ne sera pas empereur du monde. Il n'est rien du tout, il est collé là-haut. Et il nous dit juste que Dieu nous dit, c'est tout. À peu près. Voilà. Eh bien, il en a parlé. On le lui a assez reproché. Mais il a préparé son coup. La deuxième fois, il en a reparlé pour dire que justement, il comprenait. Le problème des papes, c'est qu'ils veulent suivre le plan de Dieu qui est de laisser la vie avancer, de laisser la vie s'épanouir, de laisser la vie prospérer. Il ne faut pas l'empêcher. Donc le préservatif, a priori, l'empêche la vie, sauf quand il empêche la mort. Et bien Benoît XVI, il a dit, ouais, s'il faut empêcher la mort, eh bien on comprend qu'on mette un préservatif. Et c'est quand même le premier pape qui l'a dit. Le grand-père de Virginie, de Frigide, Paul Thirorot, était le docteur de tout le showbiz de l'époque. Il se trouve que mon grand-père, Albert Wilmès, a été le roi de l'opérette. C'est celui qui a fait l'opérette des années folles, les premières comédies musicales, et toutes les chansons de Maurice Chevalier, Valentine, Mon Homme, Félicie aussi. Donc il avait comme médecin Paul Thirorot. Et à la fin de sa vie, mon grand-père, peu de temps avant de mourir, a vu le docteur Paul Thirorot qui a dit à la femme d'Albert Wilmès, ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Parce qu'il n'osait pas dire qu'il allait mourir. En fait, il est mort. C'était drôle d'avoir cette espèce d'approche heureuse. La fin, ça va s'arranger, puis il est parti, il est mort. Il n'a pas pu dire que c'était un médecin qui ne pouvait pas dire les mauvaises nouvelles. Tout s'arrangeait toujours, et on finissait à l'âge. Et alors, c'était une époque triquée, et je trouve que Frigide est porteuse de cette gaieté. Elle porte de cette gaieté, de cet enthousiasme et de cette légèreté pleine d'humanité. Moi j'aime bien parce que c'est comme un rayon de soleil dans la paroisse. Elle s'habille fluo, machin, alors un jour elle arrive avec des collants roses, fuchsia, des gens, il y a des gens qui... Au début c'était un peu... Puis après, je suis née en vélo. Elle est probablement la fille cachée de Benoît XVI. Et John Galliano probablement, mais elle préfère la Bible à Mein Kampf, elle nous l'a assuré. Je vous demande d'applaudir. Camille, nous n'avons pas répété. Non, tu te mets pas en croix, tu te mets comme tu es, t'es très beau, t'as pas les cheveux assez longs, mais bon, c'est pas grave, voilà. Et puis je vais demander aussi à Bastien et Constance, vous êtes prêts? Avec mon mulâtre Ubermensch. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai écrit livre avec un athée. Avec un athée qui croit en Dieu. Ça s'appelle Songe d'une nuit d'hiver. Un soir de février, dans mon bureau bordélique de la rue de la Fédération. Ça fait maintenant un mois que j'essaye de pondre ces confessions. Ce ne sont plus des confessions, ce sont des obstructions. La nuit précoce est glaciale, c'est le Bourdon. Ma vie aussi, elle est trop bordélique, trop agaçante, trop fatigante. Rien n'aboutit. Il y a tant de problèmes banals, banals ou pas, si prenants avec ceux que j'aime. Mes enfants,
mon mari actuel, mon mari pour la vie, ceux qui restent de ma famille, des proches, des trop proches, des si proches que je n'ai même plus le temps de m'occuper d'eux. Et puis il y a un problème avec moi, que la foi ne résout pas. Parce que la foi, ça n'allège pas forcément, ça serait trop facile. Et même ce combat radieux et douloureux que je mène depuis 2 ans pour mon église et son chef, il me laisse ce soir douloureuse, douteuse, délabrée. Ce n'est vraiment pas gratifiant de témoigner dans un monde indifférent, plus encore qu'hostile. C'est dur dans ma famille, c'est dur dans ma paroisse. Oui, on n'est vraiment pas prophète chez soi. Oui, rien n'est gagné. Parce que le combat le plus dur, c'est celui qu'on vit de l'intérieur, chez les cathos, chez ceux qui pourtant croient, chez ceux qui doivent aimer et qui ne me voient pas. Parce que cette vérité merveilleuse du Christ, beaucoup autour de moi refusent tranquillement de la reconnaître. D'autres, plus violents, me la contestent. Et puis ce foutu livre que je n'arrive pas à terminer, qui me tord le ventre, j'ai tant de choses à dire et si peu de mots pour l'écrire. C'est comme un accouchement, il y a toutes les douleurs, il y a l'enfantement, mais rien ne sort. À ce moment-là, derrière moi, eh oui, j'ai senti d'un coup comme une présence. Elle n'est pas inconnue, cette présence, comme une espèce de force tranquille. Rassurante. Ça, c'est hommage à tonton quand même, hein, la force tranquille. Je la connais, la force tranquille. Elle est là derrière moi, rassurante, lumineuse. Les forces de l'esprit. Plus peut-être que le simple esprit. Plus que l'esprit humain. Une lumière. Et je me dis, mais tu déconnes, Frigide, c'est pas possible. T'écris ton bouquin, tu rames, c'est normal. T'as que 150 000 signes, il t'en faut 300 000. Bon. Je me dis, mais quand même, cette chaleur derrière moi, ce bien-être qui m'envahit d'un coup, je me retourne, et là, il est là. Mon Jésus, j'ai bien peur, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à la hauteur, tu sais. C'est pas évident de proclamer ta gloire dans la société des traders et des rappeurs, tu sais, c'est pas simple, hein. Lui, légèrement ironique. Mais dans cette croisade, tu trouves bien un peu de réconfort personnel, n'est-ce pas, ma fille bien-aimée ? Oh bah oui, bien sûr, il a raison, Jésus, dans ce combat, pour ma foi et mon pape, je n'oublie pas ma petite personne. J'aime la gloire, ô combien profane, des écrans tout plats et des ondes plus ou moins courtes de la radio. Parce que je récupère un peu d'onction médiatique, au passage. Oh. Maman, t'as encore bon réveil quand on va rater l'école. Et là, je me réveille et je me tourne vers eux et je leur dis « Oh !» Mais Jésus, mes chéris, me voici. Thank you.